Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais essayer de battre mon record de draft qui est de 192. Je crois qu'on peut le voir ici dans l'historique draft, meilleur score 192. Je vais essayer de le battre parce que j'ai un jeton draft et parce qu'ils ont rajouté, EA Sports a rajouté les cartes SBC, c'est-à-dire les joueurs POTM, joueurs du mois, flashback, des joueurs en fin de carrière, ils ont rajouté plein de choses. Et maintenant il est très très facile de battre son record, donc je vais essayer de battre son record en vidéo. Donc on va commencer. Avec 5 compos, je pense que je vais prendre une bonne compo. J'hésite entre le 5-2-1-2 parce qu'il y a un MOC 2 BU. Je pense que je vais prendre le 4-4-1-1. Zola, Ronaldinho, on va prendre Ronaldinho pour la note. Ça fera déjà un bon ailier. On va prendre Owen. Moi, les drafts maintenant, c'est. Vous avez quasiment que des icônes. Chaque truc a des icônes, regardez. Crespo. J'ai trois une icône prime et deux moments prime. C'est propre. En bas là, prendre Matthäus. 4 icônes en 4 choix. Véron. J'ai jamais fait autant d'icônes à la filet. Jamais. Ah dommage, là ça s'est cassé. On prend la note, on va prendre Guilherme. Là il nous faudrait une icône, un Zanetti. Y'a pas, non. On va prendre que les plus grosses notes pour essayer de faire la meilleure draft, donc on va prendre Wan-Bissaka. On va prendre... Ah oui, j'hésite. On va prendre la note, on va prendre Varane. Parce qu'on peut avoir une icône au prochain choix là. Je pense qu'on peut avoir une icône, non. Piqué, on prend. On va changer les deux postes. On va prendre l'arrière gauche. On prend la note. Là, il fera un joueur de. Voilà, Ter Stegen. On prend Ter Stegen, joueur de Liga. Pour le moment, on a déjà 592. Mon corps, il est égalé pour le moment. Donc, on va essayer juste de l'améliorer. En prenant plus 1 ou plus 2. Au black, c'est bon pour la note. 1,92. Là, il faut une icône. On prend Ramos. On va le placer à la place de Wan-Bissaka. Il fera un arrière gauche. Alex Telles, c'est pas. Je pense. On n'aura peut-être pas le lien avec Varane. On peut le mettre à 94. Voilà, c'est un peu très très mauvais choix. Partez, c'est une bonne note. C'est pas ouf, mais c'est une bonne note. Pour le moment, on garde 292. Il faut une grosse icône là. Boutragueno. Prendre Boutragueno. On va le placer ici, on va remettre Owen plus haut. Elle a encore une grosse note. Messi 97, le POTM, son deuxième POTM. Parfait, je pourrais le mettre à la place de Guilherme, mais il y a plus ses liens avec Ramos. On passe pas encore 193. Si, peut-être maintenant. Non, toujours pas. Enfin, on a une grosse note, on n'a pas une note en dessous de 90. Le moins c'est Véron. La moins bonne note. On va encore essayer d'améliorer. Il nous reste 5 choix. Allez. Gulli de 93. Magnifique. On va le mettre à la place de Véron. On prend moins 1. Est-ce que si je mets là. Ça va pas décaler quelque chose. Plus 1, voilà, parfait. On va le mettre comme ça. On va essayer de mettre Véron. Est-ce qu'on passe à 93? Toujours pas. Allez, allez, un gros. On va prendre N'Golo Kanté. Non, on va prendre Koulibaly parce que N'Golo Kanté peut sortir en. Pour sortir en Totti. 193. Pour le moment, mon record est battu. Il nous reste 3 choix. Faut pas avoir des petits joueurs. Ah bah, comme par hasard. On a les joueurs argent. Pour le moment, ça baisse toujours pas. Il nous faudra encore un ou deux pour améliorer. Pour faire le bon choix, je pense que je vais prendre la note. Hein. Parce que gardien, on a la meilleure note. Je pense qu'on va prendre George Best pour le banc. En plus, il fait un 93 notes, c'est parfait. Je pense pas qu'on arrivera à 194. Mais en tout cas, dans l'équipe type, on a déjà des grosses, grosses notes. On va peut-être essayer d'avoir un 97, 198 dans celui-là. Zambrota, Figo, Schmeichel. Je pense qu'on va prendre Schmeichel pour le mettre au gardien. Je pense que c'est comme un 92. On prend quand même moins 1.
voir si je peux pas changer un truc dans mon équipe. Donc on n'aura pas 194. Je pense que je vais quand même laisser Ter Stegen au cage. Je vais mettre Schmeichel comme ça. Donc c'est la fin de la vidéo. On va juste valider avec l'entraîneur pour montrer que j'ai bien servi l'entraîneur 13 et que j'ai battu mon record. On va prendre Butragueño, on va prendre l'entraîneur espagnol. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai battu mon record, c'était l'objectif de la draft. J'ai réussi à l'améliorer avec une note d'équipe en plus. J'ai gagné un plus 1. Je la jouerai pas en vidéo, je la jouerai de mon côté la draft. J'espère que j'aurai des bonnes récompenses. Je sais pas si je la joue pour la TOTS Bundesliga ou la TOTS Serie A, je pense. Je pense que ça va être la TOTS Serie A qui va sortir la semaine prochaine. Enfin, vendredi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. C'est tout pour moi. Bye bye.